on se retrouve à Guingamp pour une ambiance de ouf parce qu'il y a une mobilisation contre l'usine à saumon qui doit ouvrir, mais elle ouvrira pas. Hein. Parce que regardez-moi ça. On est là, pourquoi ? Pourquoi vous êtes là, vous ? Pour protester contre le projet de création d'une usine à saumon à Plouisy. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ce soir ? Avec ? Avec ce soir ? Qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Ben c'est pour ça qu'on est... Il y a le match ce soir, c'est pour ça ? Je m'en fous du match, moi. Putain, mais je me disais, il n'y avait pas de drapeau français, il n'y avait pas de Mbappé partout. Ah. Là, on n'a rien à voir avec le foot. D'accord. Ah, qu'est-ce qu'on a serré au fond de ce bassin. Chante les saumons, chante les saumons. Oh, qu'est-ce qu'on a serré au fond de ce bassin. Chante les saumons entre les cochons et nitrate. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que profondément, philosophiquement, ça change s'il y a une usine de saumon ou pas qui arrive? Parce qu'au final, on va tous mourir un jour. Ouais, on va tous mourir un jour, ouais. Donc on peut mourir plus vite si on fait l'usine, du coup. Parce que vu que ça nous enfonce encore plus, ouais, je pense que ça peut être une belle fuite en avant. C'est quoi le principe ? Ben, le principe, M. Macron, il a dit qu'il fallait planter des arbres. Hein. Ah, un milliard d'arbres qu'il veut planter, Macron. Ah ouais, faut s'y mettre maintenant, en fait. Ben, c'est pour ça qu'on s'y met maintenant. Pourquoi les saumons ? Quand vous regardez là-bas, là, derrière vous, qu'est-ce que vous voyez à la place d'une méga usine de saumon qui sert à rien ? Qu'est-ce que votre imagination vous dit ? Moi, des cultures, du... Bah là, déjà, comme ça, là, c'est déjà pas mal. De l'herbe, des vaches. Des vaches dehors, parce que c'est pas toujours le cas non plus maintenant. Et vous imaginez pas genre une espèce de parking ? Tu vois, genre du goudron partout avec du parking et peut-être un carrefour tout au fond là-bas. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc vous n'avez pas de pronostic pour ce soir, rien du tout. J'en ai rien à foutre du foot. Et des saumons alors ? Est-ce que vous êtes là en vrai ? On va se dire la vérité entre nous, d'accord ? Est-ce que t'es là parce qu'il y a une bonne ambiance ou t'es là contre l'usine à saumon ? Contre l'usine à saumon, l'ambiance je m'en fous. Ah ouais ? T'as vu mon âge ? Ouais, mais tu kiffes un peu, non ? Ça chante, il y a du Patrick Sébastien, il y a des poissons partout. C'est bon enfant. C'est mieux. C'est mieux quand ça se passe comme ça. Ah oui, quand il y a de la musique, bah bien sûr. Bah bien sûr. Et ça, c'est une spécialité guingampaise, ça. Hein. Bon, je saurais pas dire. Je fais pas mal de manifs. Elles sont pas toutes comme ça. Ouais, quand c'est les syndicats qui organisent, c'est vrai que... Enfin, c'est pas organisé par les syndicats, là. Bah oui, c'est pour ça que c'est bien. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. C'est ça, le truc. Tu fais ça sur ton temps libre ou... Sur mon temps libre. Ouais, ouais. En tant que... passionné d'arbres et de végétation. Maintenant, on a assez cassé de talus, faut en remettre, quoi. Ouais. Des haies, pareil. Ouais. Faut refaire le bocage en Bretagne, il est largement temps de le refaire. Les terres s'appauvrissent, il faut faire quelque chose. Et l'arbre est là pour ça, quoi. Ouais. Et puis c'est convivial. Bah ouais, c'est vrai, c'est sympa, hein, y a une bonne ambiance. T'es autant d'arbres en si peu de temps, moi. T'en es à ton combien, là ? Là, j'en ai mis que deux ce matin. Ok. Mais pendant ce temps-là, on va en avoir mis 300 ou 400, quoi. C'est génial. Qu'est-ce que vous pensez du projet à Calac ? Où ils veulent, vous savez... Ils ont un projet aussi à Calac ? Ouais, ouais. Mais c'est avec des migrants, vous savez ? Ah oui, exact. Qu'est-ce que j'en pense ? Ouais, nous, on est là juste pour parler de l'immigration ici. Ouais. Du coup, on va juste parler de ça. Vous avez un avis là-dessus ? Sur Calac ? Ouais, n'importe quoi, de toute façon on va couper dedans pour vous faire dire n'importe quoi. De toute façon je m'en fous et je vais pas dire n'importe quoi. Bah Calac, qu'ils acceptent les migrants, aucun problème, je vois pas où est le souci. Ah, vous êtes de gauche ? On trouve pas quelqu'un je de droite ici ? Je suis d'extrême gauche, y a personne de gauche maintenant. Si, moi j'aime pas les migrants. Anti-capitaliste, surtout les migrants économiques, tu sais, ceux qui cachent leur patrimoine à droite ou à gauche, qui font changer les... qui font transiter leur argent dans d'autres paradis et tout, ceux-là. Ta phrase, elle est trop longue, là. Tu peux couper juste, ah, j'aime pas les migrants, comme ça, j'y pourrais dire. Ça, t'as raison, je suis bête. C'est quoi ? Le carnaval du saumon ! Le pourri, tu meurs ! Hein ? Ouais, hein ? Et alors, moi, j'avais proposé que Vincent Lemot soit mis
mis dans une baignoire avec 40 autres élus PS pour qu'ils se sentent comme les saumons dans les bassines. Allez, ah, j'adore ce qu'on... On continue de danser, hein, alors qu'il n'y a plus de musique. Eh, hein, ben nous, on l'a dans la peau. On l'a dans la peau, ouais. Moi, je pense qu'on devrait les mettre les saumons sur la terre ferme et les poulets et les cochons, on devrait les mettre dans l'eau. Oui, mais ils vont se noyer si tu fais ça. Ouais, mais peut-être qu'il pourrait, je sais pas, avec la génétique, on pourrait peut-être leur apprendre à nager, ou tu vois... On pourrait demander à lui, peut-être qu'il aura envie d'aller sur la terre ferme, tu vois. Après, c'est une peluche, hein. Ah oui, c'est vrai, pardon. Non, saumon pourri, oui à la vie. Vous allez manger du saumon pour Noël? Ah non. Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Ah ben, lequel, du coup? Ah ben, la, vous celui-là. Savez, la truite fumée de... De Paimpol. La vraie truite fumée de Paimpol. Ah, okay. Si tu regardes pas le foot, si tu regardes pas la télé, si tu écoutes pas la radio... On peut faire des tas de choses, la télé rend con. Ah oui, tu joues à la, la PlayStation, à FIFA, PlayStation, FIFA 22. Les jeux vidéo rendent con aussi, c'est mon point de vue. Ah ouais. Enfin bon, moi je suis un vieux schnock. Hein. Tu lis des livres, toi, c'est ça? Ouais, je lis plutôt, ouais. Je regarde des films aussi, je me promène... Soirée conviviale entre amis, je rencontre des gens, je discute comme là. Ah ouais. Mais c'est un vrai ça, comment tu l'as appelé? Lui il s'appelle Roquin, ça s'écrit R-E-K-1. Roca. Roquin. Ouais, d'accord. Voilà. Ah et qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Disent les sardines, disent les sardines. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Disent les sardines. Ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de... Pardon? Ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de... De... Ouais, bah ouais, forcément. Ouais. Mais il fait chaud au moins, non? Ouais, ouais. Mais c'est pas top quand même. C'est vrai. La promiscuité, c'est pas ouais. Ouf. Entre lui et les aromates, ouais, ouais, ouais. Libérez les sardines. Les saumons. Les saumons. Et les saumons aussi, oui. Donc les sardines en ce moment, c'est les Parisiens dans le RER et dans les métros. Oh. Du coup, toi, t'es pour le projet de l'usine? Tout à fait. Ouais. Oui, pour les emplois, quoi. Ouais. Je trouve que c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Moi aussi, bah, si j'ai bien compris, quoi, c'est ça le... Bah après, t'es intéressé parce que t'aimerais bosser dans cette usine. Oui, tout à fait. Ouais, c'est pour ça que tu lèches les bottes du patron, quoi. Ouais, c'est un projet de, voilà, de carrière, quoi. Carrière dans le saumon. Ouais. Qui ne rêve pas de trier des petits saumons, là, qui te glissent entre les mains, tout mignon? Ouais. J'en mets dans ma poche, je les ramène avec moi le soir. Ah ouais, et tu fais quoi? Tu les manges? Ouais, oui. Pour mon poisson rouge aussi. Ça fait, Attends, tu nourris ton poisson rouge avec du saumon? Ouais, c'est un poisson, c'est une race particulière, quoi. Ah ouais, c'est un poisson rouge... Carnivore. Carnivore. Un croisement avec des piranhas. Ok. Bah oui, Guingamp, c'est vrai que bah, moi, c'est la première fois que je viens, mais on sent tout de suite que, effectivement, l'ambiance qu'on trouve aujourd'hui, c'est quelque chose de quotidien ici, et c'est assez rare. Il y a des bonnets de toutes les couleurs, il y a aussi des gens qui ont des écharpes devant leur nez, donc voilà, on sent aussi qu'on prend soin de sa santé, mais tout en restant détendu, quoi. Il y a plein de gens qui font du sport là-bas, en dansant dans tous les côtés ouais, et tout. Ouais, ouais. J'aimerais bien les rejoindre, d'ailleurs, dès que possible. Ah. Même des gens, je sais pas si t'as vu, qui sont déguisés en poulet, en oui, saumon. Si, j'ai vu, oui, ouais. Oui, si, si. Ouais. Ouais. La Bretagne peut pas accueillir tout l'agroalimentaire du monde. La Bretagne peut accueillir que les cochons industriels et les poulets industriels, pas plus. La Bretagne au poulet et au cochon, quoi. La Bretagne au poulet et au cochon industriel. Et nous, on défendra ça bec et ongle. Bon, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Pourquoi t'es contre un projet qui va créer des emplois? Eh bien écoute... Pour le chômage, non, c'est ça? C'est pas sûr que ça crée des emplois intéressants, déjà, d'une part, et puis voilà, toujours le problème environnemental en premier, quoi. C'est pas ça qui va attirer les touristes, tu vois. Paris, ils ont la Tour Eiffel, nous, on a un champ. Oui, c'est sûr que touristiquement parlant, Parce qu'on est en Ligue 2 maintenant? En plus de ça, on perd les usines et on se retrouve avec un champ dégueulasse. Tu le trouves beau ou pas? C'est pas un saumon, mais c'est... Oui, c'est un requin. Et il a des petites dents, hein. Ouais, mais il est un peu timide, mais là, ça va avec le monde, là, je trouve qu'il se comporte bien. Il est pas bien dans son élément, là. Bah, pourtant, il y a plein de saumons, hein. Il y a pas tant que saumons de ça quand tu regardes, hein. Il y en a un gros. Il y en a un gros. Il y en a un très gros, hein. Il y a un poulet, on sait pas ce qu'il fait là. Le poulet, il réclame sa place. Ouais. On est tous comme ça finalement, non? Oui. On cherche tous sa place, hein. Bien sûr, ben, tout à fait. Qu'on soit un requin en peluche, oui. Un faux poulet ou des saumons, on cherche tout notre et place. Et les cochons, hein. Donc. Ah oui, il y a les cochons aussi, c'est vrai. Là, il y a un champ, là-bas, il y a un champ. C'est des paysans. Là-bas, il y a un champ. C'est pas des champs, c'est des paysans qu'on a besoin pour travailler la terre. Il y en a des partout, des champs. Non, mais les paysans, il y en a plus. Il y en a partout, des paysans. Et la moitié, dans 10 ans, ils sont à la retraite.
du Rosalia et personne ne danse. Rosalia et personne ne danse. Ah, c'est mieux comme ça. De rien. Faut qu'on emmène tout le monde avec nous là. Ça, après il faut ce qu'ils veulent. Viens, on recrute. Allez, faut danser avec nous là. Il a fait exprès de tourner la tête de l'autre côté, hein, je l'ai vu. Hein. Ah mais tu t'y connais au foot là, tu fais genre. Oui, je m'y connais, mais pas. Je regarde pas les matchs au Qatar, je regarde pas des. Ouais. Comme disent les. Ah non, je n'ai pas regardé un seul. C'est ce qu'on dit. Moi aussi, je ne regarde pas les matchs du Qatar. Hein. Non, mais j'ai arrêté de regarder le foot en juillet 82, donc. Baptiston. Voilà. Baptiston. Sous-marin, là. L'arbitre, après, il a bu un verre avec les joueurs allemands. Ça, c'est une honte, ils nous ont volé une Coupe du Monde. Ça, dans tout ce qui a été volé dans le sport français, hein, que ce soit au hand, au rugby. Coupe du Monde en 95 en Afrique du Sud, enfin bon, on pourrait en raconter. Philippe, sors de ta mairie. Philippe, sors de ta mairie. Philippe, sors de ta mairie. C'est qui Philippe? C'est le maire de Guingamp. Le maire de Guingamp, ok. C'est le monde qui complote contre la France, globalement. C'est... On peut voir ça comme ça, quand on est un supporter, mais bon... Je crois qu'il y a eu des études là-dessus, hein. Oui, alors après, ça tourne un peu au complotisme, mais bon... Hein. C'est le seul complotisme que j'accepte, moi. Non, mais enfin, nos élites à la con, avec un grand Z, elles pensent qu'à faire du blé, c'est tout, quoi. Tu vois, tout est là. Ah non, t'es contre Macron aussi. Non, parce que nous, on a fait la campagne en 2017 et en 2022. Ah, mais t'as le droit. On l'a soutenu de fou. Mais t'as tout à fait le droit. Et parce que tu sais, il a fait reculer le chômage, il réindustrialise le pays. Tu sais, on a... Il veut construire des TER. Non, c'est pas ça. Des EPR. Des EPR. Alors oui, des EPR. Européennes. Non, il a dit aussi à la télé, il veut construire des trains, des RER partout. Oui. Et il veut planter 1 milliard d'arbres. Est-ce que toi, t'es capable de planter 1 milliard d'arbres? Non. Donc, mais... s'il te plaît. Voilà. Oui, non. T'es pas capable de faire ce qu'il fait. Il fait de son mieux. C'est un type qui a toujours pété dans la soie. Rendez la peinture! Toi, si t'avais l'occasion de péter dans la soie, tu le ferais aussi. Hein. Non, mais il a toujours pété dans la soie, c'est-à-dire qu'il vient d'un monde qui n'est pas le mien. C'est tout. Et il a des valeurs qui ne sont pas les miennes. On vous a entendu chanter les sardines tout à l'heure. Patrick Sébastien, communiste, ça veut dire... t'as des affinités. Non mais Patrick Sébastien, c'est génie. Mais je sais pas, je vais te redire tout. Mais si, génie, c'est un génie de la musique populaire. Comment ça? Mais c'est un génie de la musique populaire, ça s'explique pas. Je veux dire, tu connais les sardines, tu chies sur Patrick Sébastien, et pourtant tu connais les sardines, tu connais le petit bonhomme en mousse, tu connais tourner les serviettes, et en plus tu le chantes. C'est comme la chenille, c'est une machine à tube, ce mec. Et en plus, c'est un mécène au niveau du cirque, c'est un... Enfin voilà, il nique tout le monde, en fait. Personne n'est comme Patrick Sébastien. Il n'y a personne comme Patrick. Voilà Patrick, et voilà, nous on veut te programmer, viens. Gros bisous à Patou. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette usine à saumon? Non. Faut aller chercher une crêpe, là, pour discuter avec, faut aller chercher une crêpe. Bichon. Dis-nous tout. Alors vous voyez là on est sur la place du Valier à Guingamp et sur cette place il y a un parking en fait et il y a plein de voitures et là il y a des gens dans la voiture, je crois qu'ils attendent en fait, mais ils peuvent pas sortir parce qu'il y a tous les gauchistes qui bloquent évidemment. Je vais voir si on peut leur poser une question. Bonjour, vous êtes contre l'usine à saumon? Aucun avis. Aucun avis. Vous faites quoi ici? On veut juste partir. Vous voulez partir? Ah, ok. Du coup vous attendez? Exactement, oui. Ok. Zéro avis du tout, ni madame? Non, pas d'avis, absolument pas. Ok, c'est peut-être l'occasion d'ouvrir et d'écouter ce que les gens ils ont à dire. C'est ce qu'on est en train de faire, oui. Ok. Ah pardon, désolé. En fait, vous êtes un peu un cinéma ouvert là, en plein air, cinéma en plein air. Exactement, oui, mais on aimerait bien quand même rentrer. Ah ok. Bon bah bon courage. Merci. Bah lui, c'est sûr qu'il aime pas les jeux vidéo et qu'il passe son temps à lire des trucs. Probablement. Et il aime pas le foot non plus, alors il peut peut-être dire qu'il aime parce que c'est populaire. Après, lui ou un autre, je vais te dire, le système est complètement corrompu. Ouais, Macron, Mélenchon, c'est pareil, quoi. Non,
Non, non, faut pas déconner non plus. Ah. Et donc toi t'as une chaîne YouTube aussi? Ouais, l'actu qui chauffe, et du coup je suis dans le centre Finistère et je suis venu là pour ça. Ouais. T'es de gauche du coup? Je crois que je suis de gauche, ouais. Ouais, et en fait j'arrive pas à trouver un YouTuber militant de droite dans le coin. Je cherche, mais... On pose énormément de questions sur l'immigration aux gens, et les gens ils rebondissent pas, quoi. Comme si ça les intéresse pas, l'avenir de la France, ouais. Et tout, quoi. Bah ouais, mais... Je sais pas, même toi t'es de gauche, je pense. Non, moi je suis de droite, moi. Ah, mais je te cherchais depuis longtemps, je suis content de t'avoir trouvé. Non, je suis de droite. Hein. T'es vraiment de droite? Ouais. Ah ouais. Droite de... Droite-droite? Ouais, droite-droite. Bah vas-y alors... Du coup, à Calac, qu'est-ce que tu penses de... C'est moi qui vais prendre le micro, merde. C'est vraiment bien Guingamp. En plus, je sais pas si tu sais, mais l'immobilier est pas très cher à Guingamp. Oui, j'ai... Tu peux improviser, s'il te plaît, sur l'immobilier à Guingamp, là. Eh ben, tout à fait. C'est bientôt coupé, donc... Je vais pas tarder, effectivement, à regarder. Je pense que c'est un endroit très porteur, bien évidemment. Ouais. Du coup, nous, on est en partenariat avec Crédit Agricole. Du coup, si tu veux faire un emprunt bancaire, tu peux juste nous le dire. Ok, bien sûr, je signe. Tu peux dire Crédit Agricole. Je promets, ouais, Crédit Agricole, c'est suicide paysan, c'est super. Ouais, j'ai pas entendu ce que t'as dit à la fin, mais je pense que c'est bien. Bon bah merci beaucoup. Ouais. Et puis n'hésitez pas à aller sur l'actu qui chauffe, parce que toi tu fais beaucoup sur les manifs locales. Ouais, carrément, puis je décortique aussi des sujets comme la méthanisation par exemple. Bon, évidemment, comme d'habitude, une manif à Guingamp, ça finit avec des bignous dégueulasses, donc on va y aller. Faut juste qu'on trouve Nina, mais ça devra le faire. Hein.